All right. Welcome. My name is Daniel. My colleague's name is Philippe. As announced, this is going to be a multilingual presentation about Assimil. So Philippe will mainly speak French and German. I will speak Kwe Kwe Go Up. Maites. Matissa. No, it's going to be English, French, and German, or French, well, and... people are speaking French. How many speakers are understanding German? Okay, all right. Yes, and we are going to talk about Assimil. We're both representing Assimil in Germany. You've seen us maybe yesterday, we sold books. And we'll be back selling books and giving you all sorts of information about Assimil on Saturday. So this, no advertising. So this presentation is not really going to be about how Assimil works, because I believe most of you know Assimil. Is there anyone who has not yet used Assimil? Okay. Well. So maybe we should do some advertising then. all right, so we are going to tell you a little bit about the story. Assimil is an almost 90-year-old company, and it's been developed by a very interesting guy who's been a pioneer in language learning. And now, I believe, I didn't... Is it okay? French would be okay for everyone? Everybody would understand it, more or less? Yeah? No? Okay. So we'll try to, like, Philippe is going to explain something in French and in German, and I can translate some of the stuff into English. So we'd be, you know, flexible. No PowerPoint presentation. Flexibility is, yes. Okay. Philippe. Assimil is kind of familiar. C'est pas du français, bon, je change. Eh oui, c'est ça le problème. Il y a les tiroirs dans la tête. It wasn't quick way go up. Clic. Assimil, ce n'est pas un nom de famille. Il y a beaucoup de personnes qui demandent quand est-ce que Monsieur Assimil est né. Et ça arrive très très souvent quand je vais voir mes clients, ils me disent Monsieur Assimil. Je ne m'appelle pas Assimil, il n'y a personne qui s'appelle Assimil. Le créateur de la méthode Assimil s'appelle Alphonse Cherel. Il est né le 3 juin, donc demain. Le 3 juin 1882, donc il y a 135 ans. Il est né en France, en Bretagne, près de Rennes. Et il n'avait aucune raison de devenir un polyglotte, il n'avait aucune raison normalement de s'intéresser aux langues. Bon, en Bretagne, on parle breton, mais bon, à Rennes, on parle d'abord français. Ses parents avaient un moulin, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la farine. Donc ils avaient l'habitude de réduire les choses à leur partie essentielle. Et... c'est quelqu'un qui a été assez doué à l'école, il avait une très bonne mémoire, et il a fait un cursus scolaire classique jusqu'à l'âge de 20 ans où il a eu le baccalauréat, avec une très bonne note, 14 sur 20. 20 c'est la meilleure note, 14 c'est une note très correcte. La plupart des Français sont très contents quand ils ont 10, donc 14 c'était très bien. Et il était passionné par le latin, il était passionné par la langue française, il avait appris donc l'anglais à l'école. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'a pas voulu faire une carrière universitaire, parce que déjà ça coûtait beaucoup d'argent, ça demandait probablement d'aller à Paris. Mais il avait toujours eu une passion des langues, c'est-à-dire que déjà quand il était tout petit, d'entendre de l'anglais, ça, il ne savait pas ce que c'était, il limitait... On appelle ça du yogourt, c'est-à-dire qu'il parlait anglais comme on pense que les Anglais parlent. Et à 20 ans,
Son père voulait qu'il fasse des études qui rapportent de l'argent. Lui, il ne voulait pas faire ça. Il a vu une petite annonce pour aller en Angleterre comme précepteur. Précepteur, c'est-à-dire pour suivre des enfants en bas âge, c'est-à-dire des enfants qui sont en train d'apprendre leur langue maternelle, et pour que ces enfants, avec une nurse, apprennent le français. Donc il a été à Londres, dans une famille qui était la famille Wilson, et il avait un petit garçon qui s'appelait Edouard, et là, ce petit garçon a appris le français avec donc Alphonse Cherel, et lui, il a appris à améliorer son anglais. C'est-à-dire que la technique, à l'époque de Alphonse Cherel, c'était l'immersion. Son but, c'était d'apprendre la langue sur place. Et toutes les langues qu'il a apprises au début, il les a apprises en immersion. C'est-à-dire qu'il il a resté 4 ans en Angleterre et il a appris l'anglais. Ensuite, il a été à Berlin et là, il a appris, devinez quelle langue ? L'allemand. Il est resté à Berlin jusqu'en 1909. Donc, si vous savez compter, il devait avoir 27 ans. C'est ça ? Et là, c'est là que ça commence un peu à devenir un peu plus la conquête du monde. C'était l'époque encore du tsar Nicolas II. Il a reçu une proposition de son frère qui voyageait déjà beaucoup et qui disait, à Moscou, il y a une famille très riche de la noblesse russe qui cherche un précepteur pour leurs enfants. Il ne parlait pas le russe et il a dit, j'y vais. Bon, c'était la Russie, c'était bien payé et donc il est arrivé à Moscou sans parler russe, avec bon, l'anglais, l'allemand, le français. Et là, il a commencé à enseigner le français. Il n'y avait qu'une personne qui parlait un petit peu de français dans le personnel de la famille. La famille, les parents, il ne les a pratiquement jamais vus, parce que c'était des nobles qui étaient toujours à droite, à gauche. Donc il a vu le personnel, les enfants, et bon, il n'avait que quelques mots de français pour communiquer avec un des serviteurs. Et là, il s'est à nouveau immergé. Il a été dans Moscou et il est resté à Moscou donc de 1909 jusqu'à 1914. Je m'excuse pour Daniel, mais si tout le monde comprend, vous voulez un peu de traduction en anglais? Un petit peu? You want a little bit translation in English or it's okay? Allez. Okay. Okay, so this was about Alphonse Cherel, the founder of Assimil, and a bit about the story, how he came to learn languages. He was a young guy, grew up in France. There was no reason for him to learn any foreign languages. He was born in 1882, and after his high school diploma, he went to England, then to Germany, and then to Russia in order to teach French to kids of rich or noble families. And by doing so, he spent several years in all of these countries. So by doing so, he miraculously learned the languages of the countries where he was residing. So this is just in a few words for this, what Philippe was saying. Like when you speak French, you need a lot of time to say things. Like in English, you could say it just in a minute, but you know. Just in a minute. Eh oui, il ne prend jamais au sérieux. Donc, en Französisch, en 1914, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre. Il était en Russie. Il était français. Au milieu, il y avait l'Allemagne. Il a voulu rentrer en France. Bon, ça a été apparemment une épopée. Il a fait plusieurs stations pour contourner l'Allemagne. Il est atterri à Bruxelles. Et ensuite, il est arrivé, donc revenu en France.
Il avait donc en 1914 12 plus 18, c'est ça, à peu près, en une trentaine d'années, 32. Et là, bon, il était français à l'époque. Bon, il y a des millions de Français, d'Allemands, d'Anglais qui se sont retrouvés dans l'armée. Et il a rempli les papiers. Il était assez âgé, 32 ans. Et on lui demandait, qu'est-ce que vous parlez comme langue? Donc il a marqué, je parle français, anglais, allemand, russe. Bon, l'officier qui était là s'est dit, ça peut être intéressant. Donc l'officier lui a demandé, dans un anglais très français, pour vérifier le niveau, Monsieur Chérel lui a répondu dans un anglais presque parfait. Et donc il a tout de suite mis dans un service de traduction, d'interprétariat, d'études des informations qui pouvaient venir du front. Donc il n'a jamais vu une arme, il ne s'est jamais servi d'une arme. Et en plus, bon, c'était quelqu'un plutôt d'humaniste, mais à cette époque-là, ils sont tous partis à la guerre avec la fleur au fusil, comme on dit en français. Donc il était français, il a été à l'armée, et il est devenu une sorte d'interprète, traducteur militaire. En 1915, il y a eu un conflit au niveau de la Turquie. Je ne sais pas, enfin, si vous connaissez au niveau de l'histoire, les Dardanelles, avec les Anglais, les Français contre les Allemands, pour contrôler les Dardanelles. Il a été envoyé donc à cet endroit-là, et là, il a été bon, il a fait son travail, mais il a été relativement assez rapidement blessé et assez gravement. Ce qui a fait qu'il s'est retrouvé 3 jours à l'hôpital, dans inconscient. Et quand il s'est réveillé, il y avait un gendarme à gauche, un gendarme à droite. Pourquoi ? Parce que pendant ces 3 jours, il n'avait pas arrêté de délirer en allemand. Bon, il avait passé du temps à Berlin et à Moscou, donc bien sûr, l'allemand était là. Bon, et en plus, il avait été amoureux en allemand, donc peut-être que ça joue un rôle. Et donc, bon, on a relativement vite éclairci la situation, qu'il était interprète et que c'était normal qu'il parle allemand. Et il a fini la guerre, en fin de compte, dans un hôpital, parce qu'il avait quand même eu une blessure assez, assez grave. Et à partir de ce moment-là, il a toujours boité. Il avait un problème à la hanche et il boitait. La guerre s'est finie, heureusement, mais avec des millions de morts. Et à nouveau, pour lui, c'était pas la société de son papa, c'était pas sa vie. Sa vie, c'était à nouveau de voyager. Qu'est-ce qu'il a fait en 1918? Il a été à Madrid. Et en quelques mois, il a appris l'espagnol. Ensuite, il a été à Barcelone, en français. Il a été à Barcelone. Bon, l'Espagne, apparemment, ça l'a pas passionné. Donc, il a été à Milan, en Italie. Et à Milan, en Italie, il a appris en quelques mois l'italien. Et ce qui fait qu'au bout de 6 mois, son patron italien lui a proposé de devenir italien, de prendre la nationalité italienne, pour gérer une des filiales, je crois, qui était à Gênes. Bon, il a refusé de prendre la nationalité italienne, mais par contre, il a accepté de travailler. Et déjà, donc à Milan, son surnom, c'était Alfonso il Poliglota. Et donc, bon, il avait déjà appris quelques langues. Là, à ce moment-là, on lui a proposé de revenir à Berlin. Et bon, Berlin était une ville qu'il avait vue avant la guerre, une ville de culture, de théâtre, d'échange. Donc il est retourné à Berlin. Bon, c'était le Berlin d'après-guerre, c'était les Berlins qui avaient subi une révolution. Le Berlin vaincu, et l'ambiance n'était plus du tout la même. Mais il est resté quand même à Berlin. Il est retombé amoureux, mais malheureusement, lui n'avait pas d'argent, et la famille de la dame dont il est tombé amoureux a refusé que sa fille continue de le voir. Donc, amour déçu, il est retourné donc sur Paris, et là, toujours pas d'argent. Et M. Chérel avait un frère, Georges, et son frère était déjà aussi allé en Russie. C'est-à-dire que les deux frères, apparemment, étaient vraiment des personnes qui, à l'époque, déjà étaient des Européens. Et son frère s'était marié en Russie, mais à une Française expatriée.
Et ils se sont retrouvés tous un peu à Paris, sans un sou. Il a toujours fait des petits travaux d'interprétariat pour des imprimeurs, mais il avait déjà son idée à ce moment-là, après avoir appris le russe, dans une situation où il n'y avait pas de professeur, de transmettre sa manière d'apprendre les langues. Ok. 1914, First World War breaks out. Alphonse Cherel has to join the army because of all the languages he speaks. Obviously, he's working as a translator and interpreter. So he's injured at the Dardanelles conflict. He fortunately remains in hospital for the remaining 3-4 years of the war, and afterwards goes to Spain, then to Italy to learn Spanish and Italian. After that, he wants to go back to Berlin because he fell in love with Berlin, with a lady as well as with the city before the war. But so he's like keen on, you know, knowing how Berlin is, but definitely after the First World War, after Germany you know, being defeated by the Allied forces, Berlin is not the same city anymore. And so he kind of has to go back to Berlin, to Paris, I'm sorry. And that's where he kind of starts teaching languages using his knowledge and his experience in order to transmit his language knowledge. Et à ce moment-là, il avait des contacts donc par ses traductions et tous les travaux qu'il faisait comme polyglotte déjà à l'époque avec des imprimeurs. Et donc avoir un contact avec un imprimeur, c'est pas mal pour quand on veut faire un livre. Ça peut aider. Et sa première idée, c'était de dire, alors bon, je veux faire un compliment à Lydia qui a fait la présentation ici avant. Quand je reprends tous les points qu'elle a expliqués, c'est exactement ce que dit Monsieur Cherel, ou ce que disait Monsieur Cherel il y a 90 ans. Il faut, quand on apprend une langue, que ça fasse plaisir, que c'est un voyage. Il y a un seul point où je ne suis pas d'accord avec Lydia, c'est pas forcément un marathon. Ça peut être une promenade. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un but en courant, en marchant vite, mais on peut aussi arriver à son but en faisant des détours et en s'arrêtant là où ça plaît. Et bon, Alphonse Cherel, lui, il a quand même passé 4 ans à Londres, plusieurs années à Berlin, 4 ans ou 5 ans à Moscou. À chaque fois, il a pas fait ça comme une course. Son but, c'était pas d'apprendre des langues vite, c'était de comprendre la langue et de comprendre comment les gens vivaient. C'est-à-dire qu'il a toujours attaché beaucoup, beaucoup d'importance à comprendre les expressions idiomatiques. Parce qu'une langue, je vais faire le geste de Donald Trump, un truc comme ça. Une langue, c'est très très important de la comprendre au-delà des mots de tout, enfin des mots classiques. C'est-à-dire qu'on fait souvent l'erreur quand on apprend une langue, c'est qu'on apprend au début que des expressions toutes faites, mais toutes faites qui peuvent être traduites mot à mot d'une langue à l'autre, mais souvent après quand apparaît une expression, on ne la comprend pas, parce que les expressions idiomatiques, c'est ça qui fait la force d'une langue et qui fait le caractère d'une langue. Donc il a eu cette idée là et il a dit on va faire une méthode, enfin on va apprendre les langues chaque jour, et chaque jour une petite feuille, donc une page en bilingue, c'est-à-dire que les textes étaient dans la langue à apprendre, les explications dans la langue maternelle. Et contrairement à ce que vous pouvez lire même dans ce livre, le premier livre d'Assimil, c'était en fin de compte ce calendrier relié comme un livre, c'est-à-dire un livre avec chaque page était une journée d'étude. Un texte en deux colonnes, à gauche le texte, et c'est là qu'il a la surprise, en français, parce que le premier livre donc d'Assimil, c'était du French for English people. Français
daily method. Et déjà à cette époque-là, il avait le nom Assimil en tête, parce que le nom Assimil, c'est un nom qu'on comprend dans pratiquement toutes les langues indo-européennes. En chinois, ça se dit un petit peu autrement. Mais il avait donc enlevé la dernière lettre qui est assimilation, assimilé. Il a donc gardé Assimil pour que ça fasse aussi un peu international. Et ce nom, il a dit ça, tout le monde le comprend. Donc c'est un nom transparent. Et ce côté de transparence de la langue, on le retrouvera un tout petit peu plus tard. Donc le premier livre, il est paru en 1927. Pour l'instant, on n'en connaît qu'un seul exemplaire qui a survécu. Malheureusement, comme je n'ai pas la présentation, je ne peux pas vous le montrer. Mais j'essaierai de le mettre sur notre site pour que vous puissiez quand même regarder la présentation donc sur notre site internet. Ce livre, donc, en 1927, il est sorti avec le soutien d'un imprimeur. Mais il savait qu'il y avait encore quelque chose d'important, c'était les enregistrements. Donc, il a continué à développer sa méthode à partir de bilingues. C'est-à-dire qu'il a fait deux petits bilingues qui étaient sur après pour de l'anglais pour francophones, mais c'était des livres très très fins. Et il a, en 1928 et en 1929, beaucoup travaillé sur une méthode très complète avec des textes, des traductions, des explications, de la phonétique et sur les premiers concepts d'enregistrement. All right, so again, when he was coming back to Paris, he realized that it would be a good idea to publish his ideas, and his brother had money, so they set up the first company by finding a printer. And they, from the very start, worked on the system that Assimil is still today, which is two pages. One side, the foreign language you want to learn. The other side is your native language, or at least the like language you're learning from. So you could always compare. And the first publication was in 1927, which is the one, no, it's not the one, this is the first book, was a calendar where you had 365 pages, which means each day you learn one lesson. So even today, as you know, Assimil emphasizes that you should, although you just learn maybe for 15 or 20 minutes, you should do it every day. Et donc, en 1927 et 1928, avec son frère, donc il commercialisait son premier livre, et c'était un calendrier, c'était de du français pour les anglais, donc ce qu'il fallait, c'est, comme il était à Paris, c'était qu'il fasse des méthodes pour les francophones. Et il continue à travailler pour des imprimeurs. Il n'avait pas d'argent, il fallait en imprimer beaucoup. Et il a trouvé un imprimeur. Quand il a présenté son concept, son manuscrit, l'imprimeur lui a dit « Je crois dans ta méthode. Si tu me promets de toujours imprimer les livres quand tu auras du succès, chez moi, dans mon imprimerie, c'est moi qui prends en charge les frais d'impression. » Et donc, cette imprimerie Buisson a accepté. Et le 12 février 1930, la première méthode Assimil est parue en France et s'appelait donc l'anglais sans peine, hein, without toil, parce que c'était une méthode progressive, méthode intuitive. Et aussi, une des particularités d'Alphonse Cherel dans ses méthodes, dès son calendrier, calendarium éphéméride, il avait déjà intégré des textes de grammaire dans la langue à apprendre. C'est-à-dire que la grammaire, quand il l'expliquait pas au début. C'est-à-dire que la grammaire, on l'explique une fois qu'on a vu les exemples. C'est-à-dire que le principe était toujours de dire, essayez de comprendre la langue à partir de la langue cible, avec l'aide de la traduction, avec l'aide du mot à mot pour retrouver la structure. Mais on ne vous explique pas la grammaire parce que lorsque vous avez appris votre langue maternelle, on ne vous a pas expliqué la grammaire de votre langue maternelle. Vous l'avez intégrée progressivement. Et
si vous demandez à un enfant de 6 ans ce que c'est qu'un verbe, ce que c'est qu'un adjectif, ce que c'est qu'un conditionnel, il va vous regarder avec des grands yeux. Et puis, il y a certains adultes qui vous regardent toujours avec des grands yeux quand vous leur posez la question. Donc, il a toujours passé ce principe. Et on retrouve dans ses méthodes, dans les leçons qui arrivent à peu près à la deuxième moitié du livre, des leçons qui expliquent la grammaire dans la langue cible. Parce que c'est beaucoup plus intéressant de comprendre comme un enfant qui va à l'école et qui commence à découvrir aussi la grammaire de sa langue maternelle. Donc, l'anglais sans peine. Et dès la sortie de ce livre, dans le livre, il y a marqué en bas, dans les premières pages, 3 fois par semaine, sur la radio LL, qui émettait sur Paris, une des premières radios, vous entendrez les textes anglais des leçons d'Assimil. Il n'y avait pas encore d'autres moyens, donc il a choisi la radio pour qu'on puisse écouter la langue. Et toujours, il a essayé d'avoir des native speakers, français comme on dit, je ne sais pas, Muttersprachler en allemand, donc des personnes d'origine de langue maternelle, et il a toujours choisi aussi des personnes vivantes, qui vivent leur texte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire, oui, vivantes, bon, les morts, ça, ils ne parlent pas, mais des gens qui vivent leur texte. Et ça, c'est très important, qu'on entend une phrase, qu'on entende aussi l'intonation et le contenu, qu'on le ressente. Il a sorti ensuite donc, l'espagnol, l'italien, quelle langue j'ai oublié, anglais, français. Il a commencé à travailler aussi sur du français pour étrangers à nouveau. Et dès 1900, dans les années 30, on a déjà eu les premiers disques. Parce que là, la technique commençait à évoluer. Et donc, on a eu les premiers disques 78 tours. C'est-à-dire que c'est ceux qui, où, quand on les achète, on a l'impression d'avoir... On peut faire du sport avec. Et c'était très cher. C'est-à-dire que le livre était très bon marché, mais les livres, les disques, c'était bien sûr beaucoup plus cher. La guerre est arrivée. Ça a été donc à nouveau les problèmes. Mais... c'est ça un peu des paradoxes de la guerre. Comme il y a eu beaucoup de Français qui ont été obligés d'aller travailler en Allemagne, il y a beaucoup de Français qui ont aussi acheté l'allemand sans peine. C'est un des paradoxes. Et dans l'autre sens, bon, il ne l'avait pas encore sorti. Bon, la guerre a aussi causé un petit désagrément à un des frères, parce que dans les dessins, il avait un peu critiqué Hitler. Donc les petits dessins qui l'avaient tout de suite intégré dans le livre pour ce côté fun que soulignait Audrey, il faut que quand on lise un livre, on s'amuse et qu'on voit pas ça comme un travail. Donc il a tout de suite mis les petites caricatures avec une phrase du texte sortie de son contexte. Et dans ces petites phrases, il y en avait une où il y avait Hitler, un dessinateur qui fait des portraits en série de Hitler parce que tout le monde veut avoir des portraits de Hitler. Et il avait marqué « Die Arbeit wächst mich über den Kopf ». Et ça, ça n'a pas beaucoup plu à la censure allemande. Donc, il y a un des deux frères, Cherel, qui a fait 4 mois de prison à cause de ce petit dessin. Bon, la guerre, on va la passer vite. Et après la guerre, bon, à nouveau, beaucoup d'échanges, beaucoup d'Américains qui viennent en France, qui viennent en Allemagne. Donc, il a sorti le French. Il a, pour la première fois aussi, sorti le russe. Et... à nouveau, l'envie un peu de voyager. Donc là, je fais un grand passage, je passe dans les années 50. Il a été au Portugal pour sortir un cours de portugais. Il a ensuite été avec son fils dans la fin des années 50, années 60, en Grèce. Il a sorti le premier cours de grec avec son fils et c'est là que le fils a repris un peu le flambeau. Et parallèlement, à Bruxelles, il avait déjà une coopération. Ça fait qu'il y a des cours qui sont sortis en néerlandais, en portugais, en italien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Assimil s'est étendu en Europe. Et on n'avait pas seulement le cours pour francophones, mais on avait le cours pour anglophones, pour lusophones, pour italophones, et ainsi de suite. Il nous faut aussi un peu de temps pour les questions après. Ouais. Okay, so just shortly, 1930, the first, after the calendar, the first book is published. It's English for French speakers. And the first, you didn't say that, but the first sentence in this book was, "My tailor is rich," which is very easy for French speakers because it's almost the same.
Mon tailleur est riche. So this is still like a very emblematic phrase for all Assimil users, especially in France. Everybody knows this. And Ionescu has used this phrase as well in one of his plays. Okay, so in 1930, the first book is being published. It's financed by the printer because he was convinced that this would be a success, which is quite interesting. And so the system in this very book is still the same as it is today, which means most of the grammar you learn in an intuitive way, which is there are not many explanations, but some of the explanations are even in the language you're learning. Okay, so the second thing which was really important were the sound recordings until today. We still sometimes at exhibitions have people coming up asking us, do you still have those cassette tapes? And so at the very beginning in the 1930s, sound recordings were broadcasted on radio. So there was a certain time where people would sit down with their books, listen to the sound recordings on radio, okay? So, but afterwards there were discs, and now we have MP3 and all sorts of software. So then you were speaking about the war. There was a book on German, like he, after English for French speakers, he started to publish other languages, and there was a course for German. And as you know, even today, we still have these nice little drawings where some of the sentences that are used in the units are taken out and just shown in a slightly different surrounding where you would not expect them, you know. So in this very book about German, there was a drawing of a painter painting Hitler, and it said, the work is just becoming too much for me. And this was obviously not liked very much by the censors, by the Germans. So one of Alphonse's brothers had to spend 4 months in prison because of that. After the war, until the 50s, the series became bigger and bigger, and there were languages added, including Greek, including Portuguese, and he started to also publish in different languages, so French for German speakers, French for English speakers, for instance, and so on. And nowadays we have, in Germany, we have about 45 titles, and in France we have more than 60. Yeah. Yeah. Right. Il y a 16 français. dans les années 50, enfin milieu des années 50, les deux frères sont décédés. Donc c'est la seconde génération de la famille Chérel, Jean-Louis Chérel, sa femme, sa tante, qui ont repris la société, qui ont continué à développer les méthodes. Ils ont sorti la première méthode de latin pour autodidacte, aussi avec des enregistrements, parce que c'était aussi, là on a même trouvé des personnes qui parlaient latin, et c'est pour les latinistes une des meilleures méthodes de latin qui existe au monde, et on l'a encore récemment adaptée en allemand parce que elle reste une très très bonne méthode de latin, la nouvelle, alors que celle qu'on a donc adaptée en allemand. Ils ont sorti l'espéranto ensuite dans les années 70, et entre-temps, il y a eu des langues asiatiques sont venues se greffer là-dessus. Les langues, l'arabe a été sorti très très rapidement, le farsi et ainsi de suite. Et bien sûr, au niveau technique, il y a eu les bandes magnétiques, il y a eu les cassettes, il y a eu les disques qui sont passés. Enfin, d'abord les disques 33 tours, 45 tours et tout le développement technique. Maintenant, on travaille beaucoup avec les MP3. Des MP3 optimisés où il y a le texte qui apparaît en même temps, ce qui permet quand on ne comprend pas une phrase de à nouveau la regarder comment elle est écrite. Par contre, on vous laisse toujours avec la problématique, si j'ai pas compris, il faut regarder dans le livre. C'est-à-dire quand on apprend une langue, le fait de bloquer sur un mot, c'est pas un problème si vous avez la possibilité de revoir la solution tout de suite. Et la très très bonne idée de Monsieur Alphonse Chérel a été toujours de dire,
si vous ne comprenez pas, il ne faut pas chercher à la fin du livre la solution. Parce que beaucoup de livres vous donnent les mots nouveaux, des règles de grammaire nouvelles, un exercice. Mais les mots que vous avez déjà rencontrés ne sont plus traduits. La solution est cachée à la fin du livre. Et donc vous êtes en permanence en train de feuilleter et de chercher. Ensuite, avec Assimil, comme l'a dit Lydia, quand on veut apprendre une langue, il n'y a pas une technique. Chacun doit développer sa technique, ses outils, ses rythmes de travail, les conseils donc de travailler régulièrement, de se faire des notes, de se faire des flashcards, c'est très important. Un conseil quand vous faites des flashcards sur la base des cours Assimil, prenez toujours des phrases complètes. Ne prenez pas des mots seuls, sortis de leur contexte, avec un article qui n'est pas décliné. Bon, là, je parle de l'allemand. Mais il faut toujours avoir une phrase où les 5-6 éléments que vous retrouvez se vont ensemble. C'est bien d'avoir des pièces de Lego, mais c'est mieux de savoir construire un modèle et d'abord voir le modèle. Et d'avoir, comme avec les Lego, tous les éléments pour arriver à la phrase complète. Et ça, c'est très, très important de ne pas laisser l'apprenant tout seul. C'est-à-dire qu'avec Assimil, l'idée de base a toujours été de dire on peut entendre des originaux, des textes originaux, on peut lire des textes originaux, et on a pratiquement tous les éléments pour décoder. Des fois, des linguistes nous critiquent qu'on va pas assez loin dans la grammaire, d'autres critiquent qu'on va trop loin dans la grammaire. C'est très très difficile de satisfaire tout le monde. Mais la plupart des personnes qui ont compris qu'il ne fallait pas apprendre par cœur, qu'il fallait aller à son rythme, et que ça pouvait être non pas un marathon, mais une promenade agréable, et qui dure une vie en fin de compte. C'est-à-dire qu'apprendre une langue, c'est pas d'apprendre. J'ai appris il y a 4 ans, il y a 4 ans à apprendre le français, j'ai commencé il y a 5 ans, où j'ai appris pendant 2 ans l'allemand. Si vous apprenez une langue, vous l'apprenez en continuité. Et c'est ça, à mon avis, qui est très important. Et essayez d'avoir des médias modernes. Mais un livre est toujours, actuellement, un des meilleurs supports. Pourquoi ? Je ne peux pas vous l'expliquer, mais à l'écran, souvent, on n'a pas la même perception. Et avec un livre, on est beaucoup plus calme. Il y a peut-être un moins grand problème de perception au niveau des yeux et d'hyperactivité. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup tendance, si vous êtes sur un ordinateur, de voir qu'il y a un message qui est arrivé, tandis que si vous êtes sur votre livre, vous serez dans votre livre et vous serez tranquillement, et si vous écoutez en fond sonore les enregistrements, c'est la même chose. Okay, we just have a few minutes left, so I don't think there's much time for questions, I'm afraid. So the system, the method, has been the same ever since, more or less. Like what I told about foreign language on the left-hand side and your native language on the right-hand side. Now, Philippe spoke about the sound recordings, and he stressed that only the sound recordings are not enough. It's always good to have the book. It's good to work with the book as a support. Obviously, it's not the only way to learn languages, and on the long hand, it can't replace you going to a foreign country or speaking to native people, obviously. Nevertheless, we've been on the market for 90 years almost, and I think many, many people like to work with Assimil. Nevertheless, there are things that you should add, like flashcards and all sorts of supportive things. As I said, we will be here until the very end. We're here on Saturday. You're welcome to talk to us anytime you want and ask questions or criticize or, you know. And there will be another sales opportunity on Saturday. To know where you will definitely find us, where we'll have time. Okay, thank you very much.